Salut les amis, c'est Monsieur Josh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de matériel de débutant à débutant pour débutants, voilà, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un petit pack disponible sur Amazon pour débuter le bushcraft tranquillou, sans trop dépenser. Il s'agit du kit scie et couteau de chez Baco, disponible donc sur Amazon à une trentaine d'euros à peine. Très très bon matos. Je vais tout de suite vous présenter le couteau de chez Baco. Donc, il ressemble énormément au Mora. On a le même passant ceinture, le même système. L'étui un petit peu différent, mais c'est du plastique aussi, voilà. La lame, c'est presque la même. Émouture Scandi, acier inoxydable, donc acier suédois. Hop, je sais pas si on va voir. Voilà. Avec donc toujours ce petit manche en plastique revêtu de caoutchouc. La prise en main est très bonne. Le couteau coupe énormément. Voilà. Pour comparer un petit peu avec le Mora. Hop, voilà, c'est vraiment pratiquement la même chose. Le Mora est un peu plus long au niveau de la lame et surtout un peu plus épais de quelques millimètres. Hein, ça ne joue pas à grand chose. Je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà. Donc de très bons couteaux, le Baco, vraiment très satisfait. Mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ce kit, parce que bah, j'ai déjà le Mora. C'est surtout pour la scie pliante, qui est vraiment déjà une très belle finition. Vous avez une petite dragonne en cuir, voilà. Qui a juste à presser le petit bouton et elle s'ouvre. Vous avez plein de petites dents là, tac tac, voilà. On va les tester sur le terrain. La scie, c'est quand même un matos indispensable pour le bushcraft, en tout cas je trouve moi. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas si on va bien voir. Nickel. J'ai réussi à en venir à bout. Donc vous voyez, on peut quand même faire des petites sections. Hein. J'en ai eu pour même pas 3-4 minutes. La scie a une très très bonne pénétration dans le bois. Et on a une petite courbure en fait qui est super intéressante. Que je viens de le découvrir. Hein. Mais quand on se met debout, on a vraiment la scie qui va englober la bûche. Enfin, vraiment très pratique pour couper du bois. La prise en main, vraiment on vient l'attraper comme ceci. Vous voyez, vraiment, ça coupe nickel, quoi. Très satisfait de cette scie, très jolie avec la dragonne. Pour ce qui est du couteau, excellent couteau également. Je sais pas si on va voir quelque chose. Et vous voyez, hein, j'appuie à peine. Et vraiment, il va venir tailler correctement dans le bois. Sans trop appuyer, hein, je rappelle. Hein, là, vraiment, je passe le couteau dessus. Hein. Vraiment... incroyable. Voilà, voilà. Voilà les amis, ici ce petit matériel vous intéresse, il est disponible sur Amazon, le lien est dans la description. Sachez que je n'ai aucun rapport avec Amazon, hein, je fais ça vraiment par passion pour vous partager ce que je découvre. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner, partager la vidéo, liker si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure dans ce magnifique abri. Ciao ciao.